mon amour. Il est certain que si tu écoutes cette cathète, ma petite Sylvie d'amour, c'est je ne suis plus. Simple souvenir de ma voix, simple souvenir de nous deux. Tu te souviens, comme nous étions heureux. Mais oui, ma puce, ton mari est mort, abattu par les policiers. Mais ça, nous le savions déjà. Nous savions que ça pouvait un jour arriver. Tu te rappelles, je te le disais. Et maintenant, tu es seul. Seul avec ta peine, seul avec ta souffrance. Une chose, mon ange, il faut vivre, tu sais. Cette grande peine qui te fait mal au cœur et tout, qui t'imagine que tout est fini, tout est terminé pour toi. Non. Vis. Vis comme je te le disais, et puis c'est tout. Vis avec nos souvenirs, mais ne t'emprisonne pas dans nos souvenirs, surtout. Oh, bien sûr, cette cassette, je l'ai fait avant. J'étais parti faire les commissions. Je savais pas que ce destin pouvait se terminer comme ça, mais enfin, je me disais que peut-être qu'un jour, ça arriverait. Et je voulais que tu gardes quelque chose de moi. Écoute cette musique. Tu te rappelles, à l'époque, nous l'écoutions chez nous. C'était la musique de Midnight Express. Et rappelle-toi ce film qui nous avait fait tant souffrir par sa vision d'horreur. C'est peut-être ce qui m'aura attendu sous une échelle peut-être un peu plus petite. Mais une fin comme ça, je pense qu'un homme préfère la mort sous les balles policières que de crever comme un chien dans un trou de basse fosse. Une chose est certaine, mon petit chat, c'est l'amour que tu m'as apporté. Ça a été quelque chose de merveilleux. Car à 43 ans, 42 ans plutôt, d'aimer comme je t'ai aimé, c'est impensable. Tu m'as tout amené de toi, tu m'as tout donné de toi. 24 heures par jour, t'as été complètement avec moi, c'était une communion notre amour. Alors si les larmes te viennent aux yeux, comprends une chose, nous avons vécu ça. Et bien des gens n'ont jamais vécu l'amour. Ma fin, c'était une chose presque inévitable. On ne peut pas, tu sais chérie, quand un homme vit par les armes, la violence et le vol, c'est très rarement qu'il meure dans son lit. Puis en fin de compte, ma mort est pas plus stupide que si j'étais mort au volant d'une voiture ou à usineur en travaillant pour un patron. Donc les flics m'aient assassiné ou pas, c'est possible, la question ne se pose pas. Face à un type comme moi, il n'y a pas tellement de cadeaux à faire, je n'en fais pas non plus de mon côté. Donc la haine, ça sert à rien de l'avoir. Ce qu'il faut, c'est que tu te souviennes de nous quand tu me faisais une tapisserie, quand tu me préparais des petits plats, quand tu t'habillais, puis je te regardais, je te disais que tu étais belle, quand je te mettais ton collier, tu te rappelles, ton beau collier Cartier, quand on s'émerveillait tous les deux devant des choses qui nous plaisaient, quand on jouait, mettons, avec notre merveilleux petit chien, tout ça, c'est ça la vie. Alors tu sais, la mort, en fin de compte, ça n'existe pas. La mort, c'est dans le cœur des hommes. Hein, si tu ne souviens plus de quelqu'un, la personne est morte. Mais toi, tu penses à moi, alors à la finale, je pense que je suis toujours vivant en toi et pour longtemps. C'est pour ça, chérie, je te le demande. Je comprends cette souffrance, mais ne t'emprisonne pas dans ta souffrance. Revis. Hein, je te le demande de toute la force de mon cœur. Et tu sais, qui sait, on se retrouvera peut-être un jour. Où? Ah, en enfer, mon ange. J'y suis bien, entre parenthèses. Toi qui as toujours froid, je peux te garantir que... Super. En plus, en enfer, on rigole drôlement bien, parce qu'il n'y a que les gens qui s'emmerdent pas sur Terre, qui y sont actuellement. Hein? Ouais. Ah, tu sais, je rigole. Je rigole d'être mort. Parce que la mort, à la finale, tu sais, c'est rien pour celui qui a su vivre. Hein? Ceux qui ont raté leur vie, en fin de compte, sont des morts vivants. Moi, ma vie, bon, criminellement, on peut pas dire qu'une vie est réussie, mais sentimentalement, ma vie n'a pas été un échec, puisque je t'ai connu, rencontré, aimé. Tous ces souvenirs fous, tu sais, bébé. Et l'amour, c'était si bon, l'amour, ensemble. On peut dire qu'on se donnait, hein. J'ai le petit cul chaud, comme disait mon bébé. C'était beau tout ça, c'était sobre, c'était simple. Il n'y a pas de complications, pas de... Rien n'était faux, tout était vrai chez nous. Alors à la finale, tu fais mon petit chat. Oh bien sûr, certaines personnes pourraient dire il y a d'autres manières de vivre.
mais je n'avais plus tellement le choix non plus. Et à la finale, j'ai assumé ma criminalité jusqu'au bout. Et je considère que c'est pas si mal que ça, d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il faut dans la vie. J'aime pas les gens, justement, qui reculent. Trop de gens reculent. Et tu sais, simplement de voir la détention en France, dans les quartiers de haute sécurité, quand j'ai vu réellement que on crée ça non pour emprisonner l'homme, mais pour le détruire totalement, pour en faire un esclave de la pénitentiaire. Tu vois, une serviette, quoi, un torchon, il fallait que l'homme s'abaisse au maximum devant ses messieurs. Au moins, je suis mort les armes à la main. Même si peut-être, et ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Parce que même si les policiers m'ont tué avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut te dire une chose. Si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. Peut-être que j'ai mis la main dessus et que je m'en suis servi. Puisque cette cassette est prémonitoire, je ne peux pas quand même envisager ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrivera. La seule chose que je sais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas. En fin de compte, Pierre Fitte a trouvé le moyen. Le seul moyen, le seul endroit dont on ne s'évade pas, c'est un cercueil. Eh oui, mon bébé. Mais enfin, mon plus beau cimetière, hein, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, ma plus belle cellule, c'est ton cœur. Et j'y suis bien. Et je tiens à y rester aussi longtemps que tu penseras à moi et que tu m'aimeras. De toute façon, mon petit chéri, tu le sais, ça. Aucun couple ne termine totalement sa vie ensemble. Il y en a toujours un qui part avant l'autre. Et c'est ça qui est terrible quand on s'aime. C'est que la vraie souffrance, c'est à ce moment-là qu'on la ressent. Alors, pense à nous, c'est tout. Pense à tout ce qui était à nos caresses, à l'amour que je t'ai donné, autant physique que moral. À cette communion que nous avions quand nous faisions l'amour, tu te souviens? C'était réellement merveilleux. Merveilleux. C'est un plaisir total. Plaisir de l'âme, du corps et puis de l'esprit, de tout. Enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai vécu ce que très peu d'hommes peut-être arrivent à vivre. C'est un amour complet. Quand avec criminalité, j'avais fait un choix. Et face à la société, dès l'instant où je suis mort, je ne suis plus coupable de rien, puisque j'ai payé. Et à la finale, je vais rester un exemple, peut-être un mauvais exemple. Alors c'est ça qui est terrible. Hein. C'est que certains font faire de moi un héros, et qu'en fin de compte, il n'y a pas d'héros dans la criminalité. Il n'y a que des hommes qui sont marginaux, qui n'acceptent pas les lois. Parce que les lois sont faites pour les riches et les forts. Hein. On en sait quelque chose. Moi, j'ai choisi d'être aisé par le crime, en m'attaquant presque toujours, je pense, aux nantis et aux riches. J'étais plus riche qu'eux. Parce que j'avais l'amour en plus. L'amour et puis je pense le courage. Le courage de mes opinions et puis de ce que j'avais décidé d'être. Terrible, mon ange. Écoute cette musique. Midnight. Écoute-la. J'aimerais danser, toi, avec toi. Ah ben d'où je suis, non, je peux pas, chérie. Il y a trop de marches à descendre. Et tu vois, je vais te dire une chose, si je demandais une permission de sortie, impossible. L'enfer, j'aime bien toutes ces théories complètement stupides que la religion impose aux hommes. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Le paradis, c'est sur Terre, ou l'enfer, c'est sur Terre qu'on vit. Il n'y a pas d'autre monde, il y a simplement une autre manière de vivre. L'esprit ne meurt pas de toute façon. La preuve, c'est que tu penses à moi. Écoute, écoute.
j'étais en Sicile et que tu dansais. Ah, donc tu étais sensuel à mort, chérie. Qu'est-ce que c'était haut. Rien qu'à écouter cette musique, je t'imagine. Une vraie liane. C'est vrai que tu étais belle. Tu le savais aussi. Hein? Avec tes beaux yeux de biche. T'avais une vraie petite gueule d'amour. Sauvage un peu. Hein? Yeah. Ça donne pas envie de danser, bébé, ça. Hein? Ah, tu t'imagines, tu vois, tu es dans mes bras. Aïe, aïe. Pom, pom, pom. Eh, dis donc, bébé, peut-être que tu écoutes cette cassette et que je suis pas mort du tout, hein. Peut-être que manque de chance pour moi, les policiers m'ont pris vivant. Et tu l'écoutes quand même, hein, en disant, je le préfère en prison et vivant. Bah, tu sais sincèrement, si je suis en prison, je suis pas content, hein, parce que moi, je préfère autre chose. Ah, écoute encore, écoute cette musique. Ça jusqu'au bout, hein. C'est vrai que tu étais disco, hein, très disco. Tu te souviens en Angleterre? Aïe. Quand même que tu vas danser maintenant, hein? Il serait temps. Ton gosage va pas durer toute la vie quand même. Tu te souviens quand je te disais ça? Alors, tu piquais des drôles de colère. Hein? C'est moi qui avais raison, et tu le sais. C'est pas parce qu'un homme meurt que la vie doit s'arrêter. Premièrement, tu as ta fille. Notre fille, pardon. Alors, tu sais, puis t'as le petit chien, hein. Je prononce pas son nom parce que en enregistrant cette cassette, on sait jamais. Si elle tombait dans de mauvaises mains avant, j'ai pas envie que son nom soit prononcé. Yeah, la 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 la, pom 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 pom.